Salut tout le monde et bienvenue sur Dude Gamer. Aujourd'hui sur Dude Gamer, eh bien, ça y est, c'est enfin arrivé. Enfin, la Asus ROG Ally. Enfin, sorti le 13 juin. Je l'ai reçu hier. Oui, c'est ça, je l'ai reçu hier. Arrivé. Donc, elle est déjà déballée. Ok, je vous mentirai pas que j'ai pas pu m'empêcher. Il a fallu que je déballe. Et c'est là bien la Asus ROG Ally. Donc, la première machine portable d'Asus. Donc, on a fait la Steam Deck. Et entre la Steam Deck et la Asus, je vais vous dire que j'ai préféré la Asus à la Steam Deck. La Steam Deck est très bonne aussi, ok. Il y a une différence entre les deux. Mais à mon avis perso, moi j'ai préféré la Asus. Donc, je vous montre, on va la déballer un petit peu, mais avant je vais vous montrer un peu la boîte. Parce qu'elle est vraiment belle. Ok, c'est vraiment de Asus. On a le regard ici là. On a le signe République Gamer d'Asus. Et bien sûr, sous la boîte, on a l'étiquette. Et on a aussi la configuration. On va justement parler de la configuration. Donc, vous avez un processeur AMD Z1 Extreme. Et j'entends dire qu'il y avait des Asus avec des AMD Z1. Mais juste Z1, pas d'Extreme. Donc, si vous en achetez une, peut-être faire attention à ça. Parce que je sais que la Z1 Extreme est plus forte que la Z1 normale, donc si vous en achetez une, peut-être faire attention au processeur. Vous avez 512 Go de stockage, donc c'est le stockage du disque dur. Et il y a la possibilité de rajouter une carte SD, une micro SD pour plus de stockage. Du SSD, bien entendu, 16 Go de RAM de DDR5, et le reste, ben ça c'est l'Internet. Il y a une prise USB 3, deuxième génération. Le système d'exploitation, c'est Windows 11. Ça c'est le langage du clavier, on s'en fout. Le reste, on s'en fout un petit peu. Ok. Donc, on va l'ouvrir. Et c'est très beau quand vous l'ouvrez. Déjà là, là-dedans, je ne l'ai pas pris, mais ici, là, c'était fermé. Et puis, en fait, il y avait dedans le socle. Sauf que le socle, vraiment, c'est pas comme celui-là de la Steam Deck que j'ai pu. C'est vraiment un petit sac en carton. Regardez. Sais pas si vous l'entendez, mais si vous voyez bien, c'est vraiment un socle en carton rigide. Mais le socle, vraiment, je pense que pour le prix de la console, il aurait pu mettre un socle un peu comme le Steam Deck. Parce qu'un socle en carton rigide comme ça, c'est pas fameux fameux, hein? Donc, on va garder ça pour plus tard. On commence par le moins intéressant, vous savez très bien que moi, c'est comme ça que je procède. Parce que quand vous avez la console, la première chose que vous avez sur le dessus, ben, là, moi j'ai jeté ce qu'il y avait dessus. Vous avez un carton ici là, sur le dessus avec la console posée. Puis en dessous, il y a d'autres cartons avec les notices, le chargeur, puis tout ce qu'ils font. Donc le seul truc qui est dans le dos du carton ici là, ben, c'est le socle. Donc c'est des notices, hein, vite fait. Les notices.
Et moi, quand je l'ai reçu, j'ai reçu une carte de HelloFresh. Ça n'a eu la console, ils m'ont carrément fait une carte d'HelloFresh pour cette commande. Donc, si vous commencez à HelloFresh, ben, c'est pas du sponsor, hein, c'est juste une carte de HelloFresh qui vient avec. Fait que voilà. Si vous l'achetez chez Best Buy, vous risquez peut-être d'avoir ça. Ensuite, le chargeur. Avec le bon Sting de Gamepublic Gamer dessus. Voilà. Donc, c'est un truc un peu normal, hein, un peu comme le Steam Deck, il est quasiment pareil. Et bien sûr, le plus intéressant, bien sûr. La Asus ROG Ally. Voilà, la voici, la voilà. Donc, la prise en main de la console est très bien. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est à l'arrière. Regardez à l'arrière. On a le signe Republic Gamer en bouche d'aération où l'air va sortir. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun à cause de ça. On va l'ouvrir aussi, bien sûr, parce qu'elle est chargée, vous inquiétez-vous pas. Donc, bien sûr, il y a encore deux boutons à l'arrière. Pour l'instant, les boutons à l'arrière, ben, je les ai pas encore utilisés. Je ne sais pas s'ils vont être utilisés à un moment donné. Les deux joysticks, eh ben, ils sont bien à prendre en main. Ils sont un petit peu petits, mais malgré qu'ils sont cliquables, bien entendu, ils sont un peu petits. Mais ils sont petits et creusés, donc c'est bien de mettre nos doigts dessus et on n'a pas tendance à jouer, puis à un moment donné on arrive, hop, 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 on perd le joystick. Non, parce qu'ils sont bien à prendre en main. Ensuite, ben, il y a la croix directionnelle qui a beaucoup changé. Parce que la croix directionnelle, en fait, on peut faire en haut à gauche et le personnage va aller en haut à gauche. Donc on peut se déplacer en diagonale. Grâce au joystick, pas au joystick, mais au départ, ici, là. Donc, c'est très bien. Ensuite, il y a les boutons A, B, X, Y, comme sur une Xbox. Puis, c'est ça que je trouve bien. Sauf que c'est la couleur, par contre. Vous les voyez peut-être pas, mais le A est bleu, le B est mauve, le Y est rouge et le X est vert. Puis ça, je trouve que ben je pensais que ça allait me mêler parce que j'ai dit contrairement à une manette d'Xbox comme on a aujourd'hui, j'ai pas la mienne. Elle est juste là. Comme je dis, la couleur rouge est sur le Y. Tandis que le rouge sur une manette d'Xbox est sur le B. Donc je me suis dit peut-être que ça va me mêler. Mais techniquement, après avoir joué à quelques jeux avec, ça me mêle pas du tout. Pas du tout, c'est même très bien. Donc ensuite, on a les touches RT, RB, LB. Donc, sur le dessus, après ça, on a le bouton d'alimentation, le LED pour quand il est connecté ou allumé ou chargé, le bouton de volume plus et moins. Ici, on a la prise USB. Ici, c'est là. C'est tout ça? Oui. Ça, c'est la prise USB. Et à côté, c'est pour brancher le ROG, la carte graphique externe qu'on peut acheter. Mais c'est au moins 2000 pièces facile, la carte graphique. Donc, tant qu'à ça, vous pouvez vous en passer. Mais après, c'est à vous de voir. Là, on a la fente pour la carte SD et les écouteurs, c'est une prise jack et non USB. Donc, ça vous prend des écouteurs avec une prise jack. Ou alors, si vous voulez pas acheter d'écouteurs, mais que vous avez des AirPods. Donc là, oui, moi, c'est des AirPods Pikachu, ok? C'est des AirPods. Des écouteurs sans fil, ben, vous pouvez les brancher sur votre appareil. Vu que la machine du Bluetooth, est capable de reconnaître les appareils Bluetooth. La console vient d'ouvrir tout seul, j'ai peur.
La personne vient vraiment d'aimer tout ça. OK. Donc, la console, et là, on va l'ouvrir. La musique est décollée sur mon téléphone, OK. Donc, attention, là, je vous l'ouvre en direct pour vous montrer. Donc, il y a des LED ici, là. C'est super cool. Ok, elle vient de se former tout seul. On va la rouvrir. Donc là, où? Donc, un interface Windows 11, hein, comme je vous ai dit, sauf que là, il n'est pas la bonne. Bon, déjà, j'ai un texton. OK. Donc, ça se présente comme ça. Et je sais qu'il y a une empreinte digitale aussi avec laquelle on peut ouvrir la machine. Là, en fait, je l'ai bien, en fait, je viens de l'ouvrir avec mon empreinte digitale, mais en fait, j'ai juste à poser mon doigt comme ça sur le bouton power. Reprends les gens. Désolé les gens, je suis un peu texte en même temps. Bon, donc là, présentement, ben ça, je vous le montrerai pas tout de suite. Donc, quand il ouvre, en fait, il ouvre. Ça pourrait être parce que j'ai un petit problème avec mon truc. Mais j'ai rien à ajouter, justement. Bon, il veut niaiser. Je vais vous montrer tantôt. Donc, en fait, vous avez Windows 11 comme ça, avec la belle écran, fond d'écran République Gamer. Donc là, présentement, ben là, j'ai des petits jeux installés dessus, mais je vais pas vous montrer les jeux encore parce que je vais faire je vais faire un test plus complet, mais je veux tester des jeux et tout avant. Donc en fait, comme je vous dis, vous avez la chose Windows, OK? Et en fait, la souris, ben, c'est le joystick qui est là. On peut déplacer la souris avec ça. Ou si vous préférez, vous pouvez tactile parce que l'écran est complètement tactile. Donc, regardez, je vais vous montrer là. Hop, je fais un carré bleu. Hop, voilà. L'écran est tactile. Ensuite, ben, quand vous l'achetez, vous avez le Xbox Game Pass ici là. Vous avez 3 mois gratuits de Game Pass Ultimate quand vous l'achetez. Donc, ce qui est plutôt bien, parce qu'avec du Game Pass Ultimate, ben, on peut télécharger des jeux, hein. Donc, là, présentement, j'en ai pas encore téléchargé, mais si je voudrais, je pourrais. Mais mon 3 mois est pris. Ensuite, ben, c'est comme un ordinateur, hein. Vous avez Google, tout ça. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est ça, en fait. Est-ce que je peux? Bon, ok, ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. OK. Donc maintenant, c'est le temps de s'inquiéter des touches. Vous avez la touche là. Que ça, je pense que c'est pour prendre des screenshots et des vidéos. Donc, je suis pas sûr.
Ça, en fait, c'est les menus. Donc, quand vous l'ouvrez, vous pouvez un peu tout gérer. Regardez, je vais vous montrer juste avant ça, en plus en détail tantôt. Voilà, ça, je vais vous montrer plus en détail tantôt. Parce que j'ai des choses à vous montrer là-dessus. Et le bouton là, ça, c'est le bouton Start, habituellement. Et ça, c'est un bouton qui vous amène là-dessus. C'est l'Armory Crate SE qui appelle. Donc, l'Armory Special Edition qu'ils l'ont appelé. Donc, en fait, vous avez la bibliothèque de jeux. Sauf que là, vu qu'il m'apprend comment ajouter des jeux, vous la verrez pas. Vous avez les paramètres qu'on va regarder. Et vous avez du contenu. Que ça, je vais vous montrer aussi. Donc, les paramètres, comme je vous montrais, cet écran-là, en fait, ça permet de tout gérer. Là, en fait, ça, c'est le rafraîchissement d'image. OK? Donc, le rafraîchissement d'image, je peux le mettre à 60 ou à 120. Donc, vous avez deux taux d'image, le 60 images et le 120. À côté, il y a la résolution, OK? Ça, c'est du 720. Puis ça, c'est du 1080. Voilà. Ensuite, il y a le MDSL, le contrôleur intégré, la fichier de bureau, le clavier, OK, tout ça. Vous regarderez en fonction par vous-même. Juste, OK. Après ça, il y a un limiteur d'FPS, du mode de fonctionnement, mais le mode de fonctionnement, je vais vous le montrer. Vous avez la configuration, donc le mode gaming et le mode bureau. Donc, si vous êtes plus du genre gaming, vous mettez la mode manette. Et si vous êtes du genre du mode bureautique pour aller sur Internet, toutes des choses comme ça, vous prenez le mode bureau. Ensuite de ça. Ça, c'est le mode de contrôle qu'on vient de voir. Donc, ça, c'est intéressant aussi, le mode de fonctionnement. On a le mode Windows. On a le mode silencieux, performance, turbo. Et manuel. Donc, choisissez le mode que vous préférez. Puis en bas là, ben, ça change habituellement, sauf que là, vous voyez peut-être pas. Mais quand vous appuyez, en tout cas, sur un des fonctionnements, ça change. Et ça permet d'avoir de la meilleure performance en jeu ou des choses comme ça. Après, ça dépend du jeu parce que votre batterie peut se vider très rapidement. Ben, il y a beaucoup qui disaient que la batterie durait 2 heures sur certains jeux. À date, j'ai pas encore joué à de gros jeux vraiment, donc pour l'instant, la batterie, je trouve qu'elle tient vraiment le coup, hein. Après ça, on a le game visuel. Donc, c'est plein de trucs futuristes un peu. En fait, il y a des trucs pour ajuster les jeux. Après ça, ajuster la luminosité. Ajuster la couleur des jeux, améliorer la saturation. OK, c'est tout ce qui est luminosité puis truc dans l'écran. Ensuite, l'éclairage. Donc ça, c'est l'éclairage sur les joysticks. En fait, si on veut, là, il est en mode arc-en-ciel, OK? Vous voyez, il change de couleur. Donc là, ça se voit peut-être pas, mais OK, il change de couleur. En fait, si je veux, je pourrais prendre le mode pulsation. Et puis là, voilà, ça change de toutes les couleurs. Ça change en bleu et en mauve. Parce que c'est les couleurs qui sont activées dans le coin là. Mais je pourrais les changer de couleur si je voudrais. Puis là, il est en mode pulsation. Donc, il y a d'autres modes de luminosité. Mais je garde arc-en-ciel. Parce que c'est le plus stylé puis c'est le plus beau. Après ça, la connexion, ben, pas besoin de vous expliquer, mais vite fait, c'est les réseaux Internet. Ensuite, il y a l'audio.
que je pourrais pas vous montrer parce qu'il est en mise à jour. Ah oui, ça peut. Par contre, là. L'audio, que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais que j'aimerais. Ensuite, il y a l'Orasting. Donc, l'Orasting, c'est d'autres choses, des choses qu'on peut ajouter. Donc, on va passer vite fait, hein, parce que ça, c'est pas intéressant. Et comme je vous ai montré tantôt, ce menu-là, on l'a en appuyant sur le bouton ici, là. Mais en fait, il est là aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez. Là, on a quelque chose avec rien dedans. C'est marqué ajouter. Et quand on appuie sur A, on a d'autres choses là qu'on pourrait ajouter dans la bibliothèque. Donc là, il y a toutes sortes de choses, hein. Il y a le mode avion, il y a l'AMD, la luminosité du voyant, l'aura, la bibliothèque des jeux, la capture d'écran. OK, tout est là. Puis on peut ajouter si on veut. Et quand on ajoute, ben ça apparaît là. Donc on peut en ajouter plus, hein. Vous pouvez tout. Je pense pas que vous pouvez tout mettre, mais vous pouvez mettre une bonne partie des choses. Donc par contre, là, dans mon écran, je suis déçu parce que je peux pas monter. Ah oui! Ah oui, bon, mais il vient de niaiser. Ça, c'est bibliothèque de jeux. Donc là, j'ai pas beaucoup de jeux, je vous avertis. J'en ai juste trois. Là, j'ai Steam, j'ai Xbox, j'ai AA. Donc, c'est là. Après. Le contenu. Donc, vous avez la galerie multimédia. Mais pour ça, ça sert à rien que je vous la montre parce que j'ai rien dedans. Donc, le système, c'est pour vous montrer un peu ce que vous avez dans votre console. Donc, vous avez les caractéristiques, le stockage. Donc, là, vous avez mon stockage. Il est déjà quasiment plein. Il est quand même à une bonne. Il est déjà jusque-là d'utiliser. Donc, ça rend pas ma micro SD vite fait. Ensuite de tout ça, vous avez les plateformes de jeu. Dans les plateformes de jeu, vous avez Xbox, AA, Steam, Epic et Ubisoft Connect. Il y a aussi GOG Galaxy, mais GOG Galaxy, je ne l'ai pas. J'ai pas de compte. Ben, je pense que j'ai un compte, mais j'ai pas encore acheté de jeu dessus, donc du coup, ben. Je l'aimais pas à cause de ça. Parce que ça me servait à rien. Après, vous avez le Soundlight. Donc, le Soundlight, en fait, c'est des petites vidéos. Ça vous montre comment installer des plateformes de jeu ou autre chose. Ça prend les gens juste une minute. Donc, quand je vous dis, ça vous montre des petites vidéos. Comment installer les plateformes et tout. Après, vous avez l'espace d'utilisateur, le centre de mise à jour. OK. Et vous avez quelque chose de cool que je trouve. C'est les jeux en promotion. En fait, la dernière icône que vous avez là, c'est les promos. Sélection. Et quand vous appuyez dessus, et ben ça vous met sur une boutique. Et vous pouvez voir tous les jeux qui sont en promo techniquement. Et vous pouvez carrément acheter par là. C'est comme Steam, sauf directement intégré dans la console, à une autre place. Puis ce qu'il y a là-dessus, c'est juste des jeux en promo. Donc, il n'y a pas de jeu à plein prix, regardez.
ce jeu-là, Alien Dark Descent, il est sorti aujourd'hui, hier, puis il est déjà en promo à 35,99$. Donc si je voudrais, je pourrais quand même l'acheter directement. Après ça, il y a des jeux aussi comme God of War, Ghost Recon, Tomb Raider, ces choses-là. Donc le mode, eh ben, le mode promo, le mode sélection, ben, il sert à ça. Mais il n'y a pas seulement. Vous avez, là, comme je vous dis, okay. Donc, vous avez le mode boutique, comme je vous ai dit. Vous avez la plateforme de contenu. Ce sera pas long, j'attends qu'il charge. Donc, c'est des contenus gratuits. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais il y a du contenu cette là. Je ne sais pas trop, par contre, à quoi ça sert. En fait, je pense que comme des fonds d'écran ou des choses comme ça, je sais pas trop. Ah, c'est cool ça. Non, regardez la beauté du fond d'écran. Le Signesis avec des armes tout le long. C'est stylé. Ah, fait que, ah, ok, fait qu'il y a des fonds d'écran là, ok. Bon, ben la plateforme de contenu, déjà, c'est des jeux gratuits, des... Non, pardon, c'est des fonds d'écran en fait. Ah, mais les fonds d'écran sont trop jolis. Regardez quelques fonds d'écran. Vous voyez peut-être pas, mais ils sont fort jolis. Il y en a plus, bien sûr, mais là, je vous montre juste ceux-là que j'ai, mais il y en a qui sont trop jolis, quoi. Ok. En tout cas, ça, c'est la plateforme de contenu. Ça, c'est des choses recommandées. Donc, vous avez ça. Et il y a BlueStacks dessus. BlueStacks, c'est un émulateur pour les jeux de téléphone. Donc, vous pouvez carrément jouer à des jeux de téléphone sur votre ASUS. Débile, quand même. Jouer à des jeux jouer à des jeux de mobile, genre Harry Potter ou encore d'autres jeux comme ben là j'y vois avec des connus là, t'sais, Candy Crush, t'sais. Bon jeu mobile en tout cas, Geometry Dash, Candy Crush, le dernier jeu d'Harry Potter là, qui est sorti avec les cartes, tout ça, ben vous pouvez jouer grâce à BlueStacks. Parce que c'est un émulateur de téléphone, de jeux de téléphone mobile. C'est déjà sur PC. Mais là, l'avoir directement intégré sur ASUS, c'est débile. Et là, vous avez les coupons. Donc là, techniquement, j'en ai pas. Mais les coupons, ils vous en donnent à force que vous en servez. En fait, ils vous en donnent et vous pouvez réduire le prix des jeux que vous achetez avec. Donc, bien sûr, il faut vous connecter. Il faut que vous ayez un compte ASUS. Sinon, les coupons, vous les aurez jamais. Donc là, moi, je me suis connecté ce matin avec mon compte. Ah non, pas tout, je suis même pas connecté. Je suis un gros mytho, je suis même pas connecté. Mais en tout cas, voilà, je pourrais me connecter et j'aurais tout exactement, je pourrais avoir des coupons. Ensuite de tout ça, vous avez le pourcentage de batterie en haut. Mais ça, vous l'avez juste quand vous êtes sur l'armoury gris. Parce que sur Windows, la batterie, vous l'avez dans votre barre de tâches. Donc là, ça dit que je suis à 84% de batterie. Il me reste 6 heures d'utilisation. Ouais, donc là, vous ne voyez pas, mais je suis dessus. Donc, quand vous utilisez l'ASUS sur Windows, comme ça, ou sur l'armoire crête, il faut juste naviguer. Ça ne prend pas trop de batterie. Là, j'ai pas encore joué des gros jeux dessus, parce que pour l'instant, j'ai juste le Donjon d'Albert, puis Alex dessus. C'est les deux jeux que j'ai pu installer depuis hier, parce que les téléchargements sont vraiment longs, puis c'est pour des choses qui, par exemple, prenez Rome Station. Vous connaissez Rome Station, je vous avais fait une vidéo. L'application qui permet de jouer à des jeux Nintendo, Nintendo DS, Mega Drive, Atari, peu importe.
Ok, sur un ordinateur normal, ça peut prendre 1 heure ou 2 à installer, tout dépendant du PC que vous avez. Là-dessus, Rome Station, j'ai annulé, mais j'en avais pour 15 heures à l'installer sur la ASUS. Donc, les choses habituellement qui prennent 1 à 2 heures, ou de 15 à 20 minutes, ça peut aller à 15 heures là-dessus, puis je me suis rendu compte avec Rome Station. Donc, faites attention à ce que vous téléchargez. Sinon, Xbox est déjà installé dessus, Steam, ah, si vous installez ça, ça va prendre pas de temps. Mais c'est ça. C'est la ASUS Rogue Ally, c'est un PC portable de poche. Et du coup, ben voilà, c'est bien. Voilà. Donc, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, tout le monde. Peace. On se fera, ah oui, j'ai oublié. On se fera un test plus complet dans une prochaine vidéo. Peace.